sont fans entre guillemets de nous. Ça, ça coûte. J'ai une question. Ça coûte combien les forbans pour une soirée pour ce type de prestation? Ça coûte le prix qu'a mis le FN. Putain. Merde. On peut pas avoir le montant. Bien sûr, évidemment. Bah, ça coûte 8 000 euros. 8 000 euros, d'accord. 8 000 euros, la soirée. Sachant qu'il y a 4 000 qui va à l'État, ce qui est normal. Voilà, il nous en reste quelques bricoles et ça nous permet d'assumer et d'assumer. Vous notre avez chanté combien de temps alors? C'est En général, on fait une heure, d'accord. Ouais. Mais s'il y a 10 rappels, on fait 10 rappels. Bien et sûr. Souvent, ils y sont. Karim Zerbi. Non, pourquoi je dis en plus qu'il n'y a pas d'affaire? On a affaire à un artiste et à un groupe. Donc, ils font de la musique, ils ont des fans et des gens qui les suivent depuis des années. Ils ont eu des disques d'or et compagnie. Aujourd'hui, ils décident d'aller chanter au Front National. J'aime pas le mot décide. Donc, j'aime pas le mot décide. Si, je décide rien mais du si, tout. Mais non, mais c'est pas je décide rien. Non, non. Il décide. Non, non, attention. Décide. Non, non, t'es un petit malin, toi. Il décide. Qu'est-ce que ça veut dire, décide? Vas-y, tu fais quoi? Il décide. Non, non, j'accepte, mon pote. C'est quoi le verbe? J'accepte. Ah oui, mais enfin, on décide d'accepter. Non, monsieur, décider, ça veut dire. Non, non, décider, ça veut dire se réveiller le matin, dire tiens, je vais aller. Non, non, mon pote. Je déciderai pas. Quand même. On joue sur les mots et j'adore les mots. Vous auriez pu refuser. Il accepte, il ne décide pas. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que tu. Mais donc il a des fans. Ah bah oui. Mais c'est fan et c'est le public qui décide de la célébrité d'un groupe, bravo, de la notoriété d'un groupe. Eh ben ils assumeront, ils verront. Bravo. Je veux dire, donc c'est à eux de décider. Exactement. C'est pas à nous. Moi je les ai jamais écoutés à part effectivement quand j'étais obligé. Je choisis le verbe. Bien sûr, donc, c'est pour ça que je sors de l'animosité dans ce garçon. À un moment donné. C'est marrant, toi, t'es un petit rigolo. Non, il faut venir à Marseille. Attends, il y a pas d'animosité, il y a de l'enthousiasme. Quand j'étais obligé. Mais tu sais la différence, c'est que toi tu sais que j'existe. Moi je sais même pas qui tu es. Mais c'est pas grave. Et alors c'est beau. Tu m'as écouté, moi je t'ai jamais écouté, mon pote. Est-ce que tu penses que ça m'empêche de dormir? Est-ce que tu penses que ça m'empêche de dormir? Et moi, tu penses que ça m'empêche de dormir? On n'est pas dans la cour de l'école. L'émission n'était pas comme ça. Je suis plus célèbre que toi. Bien sûr, je suis plus célèbre que toi. Si tu te lèves le matin en estimant que tu dois assumer ta célébrité et la pérenniser, c'est ton problème. Mais c'est le cas. Mais tu n'existes pas. Attends, excuse-moi. Tu n'existes pas. C'est pas un problème. Je m'en fous. Tu n'existes pas. Mais il faut exister pour être un problème. Moi, je suis prêt pour être heureux. Ta conception de la société n'est pas la mienne. C'est normal, c'est fini. C'est normal, c'est le point de barre. Mais évidemment, réinvitez-le pour un débat politique. Ça m'intéresse. Il faudrait que tu sois trois. Oui, bien sûr. Moi, des forbans, tous les matins au petit déjeuner, j'en mange. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Je suis pas connu, mais j'en mange tous les matins au petit déjeuner. Ton nom et ton prénom, je le connais pas. Messieurs, plus Albert. Albert, il connaît les grandes gueules. C'est quoi, des menaces? Tu apprends à me connaître. Des menaces? D'accord. Alors, Albert, des forbans, merci. Remonte ton nœud de cravate. Bébert, merci d'école. Merci d'être passé dans les grandes gueules. Mesdames, messieurs, c'est l'heure du jeu des GG, le Grand Noël. Allez, c'est parti. Le Grand Noël RMC avec Nubaldi.com. Allez, c'est fini, s'il vous plaît. J'ai Sébastien, Alain et Gaëtan. Merci, Bébert. A bientôt, Bébert. Alors, on y va. Sébastien, Alain, ça continue dans le studio. Alors, attends. Sébastien, Alain et Gaëtan, j'ai les cadeaux pour vous. Allons-y. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Sébastien, vous avez choisi quelle personnalité? Daniel Riolo. Daniel Riolo. Et grâce à Daniel, vous gagnez une tablette tactile, Sébastien. C'est pour vous. À bientôt, Sébastien. À bientôt dans les grandes gueules. Et le cadeau part aujourd'hui et il arrivera dans les tout prochains jours. Alain, bonjour. Oui, bonjour.